Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers abonnés de TikTok, soyez les bienvenus. Tapotez surtout. Merci parce que de plus en plus, vous redevenez assidus et nombreux pour assister à ces lives. Partagez aussi et surtout, pour vous qui êtes sur la page JP Remigono, je vous salue chaleureusement et vous remercie toujours de continuer à partager, vous encourage à le faire, parce que vous le savez très bien, si vous perdez la main, eh bien les autres reprendront main et vont nous envoyer dans le rave. Ce qui signifie qu'ils finiront par suspendre la page. À vous donc de partager, de protéger et surtout de bombarder les cœurs pendant qu'ils veulent nous envoyer des têtes de mort. C'est eux qui vont se retrouver au cimetière, parce que la vérité finit toujours par triompher. À vous également qui êtes sur les pages secours Remingono Fan et Remingono les plus beaux proverbes africains, c'est bien d'avoir choisi parce qu'il faut toujours, même dans un véhicule, avoir des routes secours, à défaut, avoir un véhicule qui pourrait toujours vous dépanner. Allez, c'est pour cela que nous avons opté ainsi, même si nos followers sont un peu éparpillés. L'essentiel, c'est qu'à travers le monde entier, le message puisse passer grâce à vous, bataillon des fourmis maniants, qui vous battez en rang et qui faites toujours tout pour que cela soit connu sur tous les horizons. À tous ceux qui sont de plus en plus abonnés, de plus en plus fidèles à commenter les vidéos et les directs sur la chaîne YouTube J. Remingono, chaîne officielle de l'engagement, je me suis engagé à vous servir. Bien évidemment, sans discontinuer, même quand je suis fatigué ou quand je suis pris dans des obligations, pas des obligations professionnelles. Eh bien, j'honore mes engagements parce que c'est mon serment de fidélité vis-à-vis de vous. Allez, ceci étant donc, continuez à liker, comme je le dis, continuez à partager et surtout les cœurs, ça fait toujours chaud au cœur et surtout ça donne de la douleur à ceux-là qui nous veulent des malheurs. Eux, oiseaux de malheur, c'est à eux de s'en aller parce que l'heure, il est l'heure. Et c'est à nous de leur faire lire l'heure. L'avant-goût des dossiers noirs du samedi soir. C'est parti. Notre société est tellement permissive que la pornographie de plus en plus envahit tous les esprits. C'est Woody Allen qui le dit dans son livre intitulé « Destin tordu » publié en 1981. Aussi, la société aujourd'hui camerounaise, le continent, nous donne un épisode de pédocriminalité, de sodomie et autres qualificatifs qu'on ne saurait utiliser, d'autant plus que c'est devenu un vrai feuilleton 24 heures chrono où le grand acteur, héros mondial, connu à travers la planète Terre, Hervé Bobda, n'a pas longtemps couru. Bref, le FBI, la CIA et presque tous les services secrets étaient derrière lui. Que voulais-je dire? Toute l'armée, la police camerounaise était donc à la recherche de cet homme qui est devenu très célèbre et qu'on qualifie même de plus grand criminel sur le plan sexuel actuellement au Cameroun. TikTok, Facebook, Instagram et autres font de lui aujourd'hui l'un des Camerounais les plus connus, mais sur le plan négatif. Image également négative de notre pays, dans la mesure où il a agi en toute liberté, en toute... S'il vous plaît, il y a beaucoup de gens. Voilà. Wow. Les gars, merci beaucoup. Voilà. Que Dieu te bénisse. Voilà les gars, merci beaucoup. Papa Bobda. Merci.
Donc, ma, le pitch, comment? Vous voyez, moi, je suis le président, et le populaire. Partout, comme vous, chez moi. Vous comprenez ce que je dis? Voilà. Merci, Gabdan. Pardon? C'est l'argent de quoi? Bon, tu vois ton bonheur, je suis. Hé, Seigneur! Bon, les filles! Bon, si ça vous dérange pas, vous pouvez venir après la voiture, on va bâtir, pour essayer de prendre un pot et puis on va bâtir quoi? Pas de problème. Pas de problème, tu pars. C'est tout comme ça que tu rates tes opportunités. Mais qu'est-ce que tu fais? Aidez à mettre ton marche ou puis à la fille. Ah, bon, je vais pas que tu m'aides. Je vais te prêter mes poils. On va partir. Vous partez où? Vous partez où? Donc tu vois ton bonheur. J'ai dit, c'est toujours comme ça que vous faites. Vous ne comprenez pas les choses qui se passent ici. Vous pensez que c'est bien. En tout cas, moi je rate. En tout cas, moi je rate. Restez là. Il est pauvre. Comme ça qu'elle a fini. Voilà. Oui, ça allait bien. Voilà. Oui, je sais que tu la vois. Oh, on a la reconstruction des faits, hein? De papa Bobda. Faites-vous plaisir. Après, vous allez nous donner vos témoignages. Reconstruction des faits. Depuis la cellule. Oh non, avant la cellule. Après la cellule. Papa Bobda. Maman, c'est pourquoi? Je demande si elle Bobda là, c'est pourquoi? C'est que ça me coûtait. Reconstruction des faits. C'est bon. Mesdames et messieurs, c'était la muse Bush en disant ça peut prêter à rire. Mais en même temps, ça devrait faire réfléchir par rapport à notre société polluée à cause de l'argent. Il suffit que n'importe quelle énergumène puisse l'avoir pour pouvoir recruter les femmes, les hommes à sa portée sans voir, sans que ces derniers ou ces dernières se rendent compte des conséquences qui peuvent arriver. L'histoire de Papa Bobda, Hervé Bobda, on ne pourrait pas dire qu'on l'ignorait, puisqu'il y en a trop au Cameroun. Sauf que peut-être les réseaux sociaux ont amplifié ça cette fois-ci. Dans les plaintes qui ont été déposées, bien sûr qu'il y a beaucoup de la manipulation, puisque certains disent que il n'y a pas une plainte concernant le viol, la séquestration ou encore la contamination et même les harcèlements et autres.
Je devrais dire à cela d'arrêter d'instrumentaliser et surtout de détourner l'attention du peuple par rapport à ce sujet qui est très important. Effectivement, il y a des plaintes qui ont été déposées. Et d'ailleurs, après l'arrestation de Hervé Bobda, le collectif des avocats, constitué de Maître Méli ou encore Thomas Ken et Maître Fous, ce collectif a été invité au niveau de la police judiciaire. Le collectif est allé avec les victimes, les témoins. Les témoins ont donc déjà été entendus. Contrairement à ce qui a été annoncé, ce n'est pas le délégué général à la sécurité nationale qui a ordonné l'arrestation d'Hervé Bobda, même s'il y avait déjà une plainte ou des plaintes. Mais il faut dire que lorsque le commissaire du gouvernement a été saisi, le commissaire du gouvernement, parce qu'il y a une arme dans l'affaire, alors, toutes les autres infractions deviennent connexes. C'est donc le tribunal militaire qui devrait juger cette affaire. Mais pour les enquêtes, c'est donc la commissaire du gouvernement qui peut saisir la police, qui peut saisir la gendarmerie. Madame la commissaire du gouvernement a donc préféré confier ce travail à la police. Ce qui signifie que ça reviendra toujours au niveau du tribunal militaire si des infractions sont retenues. Beaucoup de gens ont dit que ce n'est qu'une accusation concernant le port d'armes. Bien évidemment, les peines peuvent être très négligeables. C'est-à-dire l'article 267 du code pénal qui punit de 3 mois à 1 an d'emprisonnement et l'amende varie entre 50 000 et 300 000. Ça, c'est ce côté-là. Mais maintenant, y a-t-il eu d'autres plaintes concernant les agressions sexuelles, concernant les viols? Oui. Il faut se dire que l'une des femmes aussi ayant porté plainte par rapport à ces violences s'est retrouvée, avait d'abord été agressée, celle qui déclenche la procédure, avait été agressée dans un restaurant. Et lorsqu'on l'a entendu, Hervé Bobda, il a dit que c'était sa copine. Mais la femme a nié qu'il n'y avait aucune relation sentimentale ou plutôt sexuelle entre les deux. Les enquêteurs sont encore sur cette piste et vont d'abord faire des confrontations en attendant d'autres éléments puisque la plainte et les victimes sont en train de se signaler. Au ministère de la Femme également, la ministre avait indiqué qu'il y a un département ou alors il y a un service qui est suivi, qui est chargé du suivi psychosocial et aussi pour accompagner certaines victimes. D'autres victimes ont préféré ne pas passer par des collectifs, mais prendre des avocats qui devraient donc aussi être entendus. C'est donc dire que la procédure enclenchée n'est pas une moindre, même si nous connaissons généralement que parfois, au Cameroun, les affaires peuvent faire beaucoup de bruit au début, le temps que ça finisse comme un soufflet ou alors une bulle de savon sous le soleil. Mais pour l'affaire Bobda, beaucoup de choses aussi ont été dites qui sont fausses, qui sont vraies. Je ne pourrais pas prendre tous les témoignages,
je ne pourrais pas considérer que tous les témoignages sont vrais. Et d'ailleurs, j'en ai mis un là qui paraît plutôt comique. Parce que dans une telle affaire, il y a le vrai et l'ivraie. Et il y a bien évidemment aussi des gens qui veulent venir régler des comptes. C'est pour cela que j'ai pris encore le temps de pouvoir enquêter, d'interroger, de voir aussi du côté des proches de Bogda pour essayer de recouper. Et en recoupant, bien évidemment, Eva Bogda continue à nier les faits. Selon lui, il s'agirait d'un complot monté par son petit frère, Bogda, pour des affaires familiales et qui aurait aussi eu à contacter certaines personnes. Mais toujours est-il que, concernant certains faits qui lui sont reprochés, Hervé Bogda ne pourrait pas dire qu'il est innocent au regard de son passé sulfureux, au regard de ses agissements, au regard surtout de ceux qui aujourd'hui se retrouvent dans le dossier. Le dossier Hervé Bogda est donc un dossier qui implique beaucoup de choses, qui implique beaucoup d'accusations, mais qui aussi implique un réseau de proxénétisme. Hervé Bogda n'est que la face cachée de l'iceberg d'une société aujourd'hui où, à travers le réseau WhatsApp, il y a des groupes privés où on recrute des femmes, des filles, des enfants, des garçons, sans pour en oublier Telegram, où aussi ces groupes-là agissent. C'est des clubs qui sont devenus presque des clubs échangistes, mais où il y a aussi le crime organisé, puisque des pédocriminels y arrivent pour justement recruter des naïfs, organiser des partous et aussi, surtout, pour ce qu'on peut appeler des crimes rituels. Affaire Hervé Bogda, ce n'est donc pas une affaire à prendre à la légère, puisque beaucoup d'autres personnalités se cachent derrière. Alors, y aura-t-il suite? Quels sont les vrais éléments? Quel est le comportement réel de Bogda? Quel est son passé? Voilà autant de questions que la justice aura d'abord à analyser, que les enquêteurs sont en train d'essayer d'éplucher. Mais quant à moi, j'ai quelques éléments que je voudrais partager avec vous sur Hervé Bogda, l'homme qui fait bouger le Cameroun, le continent, la planète. Avant cela, je vais d'abord dire, je vais présenter mes excuses à ceux qui sont sur YouTube. Ils ont eu des petites gênes là, et puis c'est maintenant qu'ils arrivent. Dommage, vous n'avez pas raté grand-chose. Vous allez réécouter un peu plus tard parce que la connexion était mauvaise. Mais vous êtes en train de revenir. Merci pour votre fidélité et votre indulgence. Ceci étant, passons donc au suivant. Hervé Bogda, c'est la vie d'un homme qui aime la nuit. Qui vit la nuit. Qui reste dans l'obscurité. C'est un personnage sombre qui a aussi un passé très sombre. Quand on essaie de regarder justement beaucoup de choses qui risquent de précipiter et qui ne vont pas jouer en la faveur d'Hervé Bogda, c'est d'abord ce qu'il a eu à faire autour des femmes. Hervé Bogda est parti d'Angleterre très très vite, à la façon d'un délinquant, parce qu'il a eu des difficultés judiciaires.
Quand il est arrivé à Douala, il s'est marié. On s'est dit qu'il s'est stabilisé. La fille venait d'Angleterre. Mais ce mariage a tourné au vinaigre. La femme se plaignait des multiples harcèlements, de la violence et surtout de ce qu'on pouvait qualifier de traitement barbare, inhumain, où Hervé Bobda voulait la contraindre à faire certaines choses qu'elle trouvait pas du tout catholiques. Hervé Bobda, c'est cet homme qui ne veut pas être avec une femme. Il aime recruter 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pour organiser des partouzes. C'est son dada. Sa femme est partie. Sa femme s'est enfuie. Il a divorcé. Ou alors il a imposé à sa femme de partir suite à toutes ces violences. Hervé Bobda s'est remarié une deuxième fois. Et là encore, on croyait qu'il allait s'assagir, mais c'est un véritable calvaire pour cette femme qui, croyant qu'elle venait trouver un homme qui lui promettait ciel et terre et qui lui disait qu'il allait changer, malheureusement, était comme le serpent. Le proverbe africain disant, le serpent peut changer de peau, mais ne change pas de venin. Hervé Bobda n'avait donc pas changé de manière. Mais Hervé Bobda a préféré donc cette vie de célibataire, où il peut prendre, faire des conquêtes planétaires, où il peut jouer le milliardaire. Surtout que son père, lorsqu'il vivait, lui avait fait obtenir, ouvrir une société de transit. L'argent pouvait donc couler à flot. Il pouvait donc aller dans des boîtes de nuit, faire tout ce qu'il veut. Et il y avait bien sûr des mafieux. Hervé Bobda est donc connu dans le monde de la nuit. Et surtout n'est pas connu comme un gentil devant les femmes, malgré le regard parfois doux comme le lion, comme le tigre, oh non, comme la panthère, mais prêt à bondir sur la proie. Et d'ailleurs, avant que ce malheur n'arrive, il était encore avec une de ses conquêtes. Et là, cette dernière, selon les dires d'Hervé Bobda, lui aurait raconté qu'elle allait à Kribi. Mais Hervé Bobda, marchant la nuit et connaissant tous les coins de Douala, a retrouvé cette dernière quelque part dans le monde de la nuit et particulièrement dans le restaurant. À sa manière, Hervé Bobda a sorti encore des muscles et son arme a tabassé correctement la femme familiale par rapport à l'héritage. Mais en réalité, au-delà de cet héritage, Hervé Bobda est un homme qui, faut-il le dire, n'est pas fréquentable. Même si, parfois, on peut voir qu'il peut distribuer de l'argent, mais c'est pour satisfaire, bien évidemment, ses instincts libidineux et voire machiavéliques où tout peut passer. Ce côté donc, Hervé Bobda, il faut déjà cerner ça. Et certainement, les enquêteurs vont y voir. Et il y a beaucoup de témoignages. Qu'on ne vous dise pas que c'est des témoignages fabriqués. Oui, certains sont faux. Oui, certains ne sont pas vrais. Mais ce que les gens sont en train de raconter, qu'il n'y a pas assez de témoignages, cela veut dire qu'ils ne connaissent pas le processus du Cameroun. Puisque justement, les gens comme Hervé Bobda ont des relations. Les gens comme Hervé Bobda ont des bras longs. Et certaines filles, certains garçons,
certains hommes ont honte ou ont peur de pouvoir s'exposer. S'exposer dans la mesure où, en même temps, ils n'ont pas confiance en la justice camerounaise. Et pourquoi? Parce que le passé nous le prouve. À Douala, on a eu des crimes. On a eu des prédateurs. On a eu beaucoup de sortes de psychopathes, mais qui parfois sont restés impunis et sont même encore venus narguer plein de gens. Maintenant, certaines choses risquent aussi de favoriser Hervé Bobda. Pourquoi? Parce que la procédure est mal faite. Je m'explique. Dans une procédure, vous avez pu constater que Hervé Bobda a été arrêté en pleine nuit à 1h40 du matin. Or, la loi au Cameroun dit qu'il faut arrêter à partir de 6h du matin. Vous avez pu constater d'ailleurs comment est-ce que ça s'est passé pour le cas à Mugubelinga. Or, avec Hervé Bobda, la police a eu à s'introduire dans l'auberge, alors qu'elle pouvait bien attendre le matin. Il n'y avait pas urgence. On l'avait déjà localisé. Et cette police est allée là-bas pour non seulement l'arrêter, mais l'humilier. On a filmé Hervé Bobda presque en petite culotte. Aucune arrestation des forces de sécurité ne se fait avec des caméras. L'ont-ils fait exprès? Je peux dire aussi oui. Parce qu'un policier ne peut pas aller filmer comme ça et mettre sur des réseaux sociaux. À l'instant là, il n'y avait que des policiers qui étaient là. C'est eux qui ont mis dans des réseaux sociaux. Pour quel but? Un bon avocat va tout simplement dire il y a vice de forme. Premier couac. Deuxième couac de cette arrestation ou de ce dossier Bobda, où les gens font tout pour que l'enquête ou que plus tard il y ait un non-lieu, eh bien c'est quoi? Regardez la manipulation autour de ce qu'on peut appeler la perquisition. J'ai dit, il y a perquisition. Mais la perquisition dans la maison ou dans l'appartement de Bobda devrait se faire selon les règles de l'art. C'est-à-dire en la présence, avec la présence du suspect. Or, selon mes informations, la perquisition a eu à se faire à son insu. Il n'était pas là. Donc, ce que vous allez saisir sans lui, lorsqu'il va arriver au tribunal, avec son avocat, ils vont tout nier. Ils peuvent dire que vous êtes venu placer ça comme ça, que c'est un piège, que c'est un complot. Pourquoi l'ont-ils fait? Le mandat d'amener a été signé par PA, le DGSN, comme on vous dit. Mais ça a été signé par le lieutenant-colonel Nkoua. Le lieutenant-colonel Nkoua est la Djomba de Fobokam, qui est mort là, l'ancien du CER. Lui-même, c'était un ancien de partout. Bokam, les femmes qui sont dans l'armée, Bokam les sautait, ils sautaient des hommes, ils sautaient des femmes. Tout le monde le sait. Et d'ailleurs, cette femme a un enfant de 14 ans avec Bokam, qui à l'époque dirigeait le CER. C'est donc elle qui a fait le mandat d'amener. Je le dis parce que, en même temps, je vois et je connais comment les procès finissent toujours au Cameroun. Quand on veut te disculper,
On commence sciemment à faire des erreurs. Des erreurs dans la procédure. Vous savez, la procédure est très importante. Très, très importante. Et autre chose, c'est le port d'armes. J'ai eu à entrer dans le dossier. Et je peux vous dire que l'arme de Bobda est ce qu'on appelle un pistolet à grenaille. Le pistolet à grenaille, dans la classification des armes, est de la sixième catégorie. Ce n'est pas une arme de guerre. On peut appeler ça pistolet à pression. Ça fait aussi le bruit comme toutes les armes. Pam, 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 pam. En fait, les hommes en tenue ou ceux qui connaissent vont vous dire que ça s'appelle les armes d'autodéfense. Les armes d'autodéfense. C'est-à-dire, on peut avoir cette arme sans autorisation. Voilà notre couac. Il faudrait que les experts puissent déterminer que c'est peut-être un pistolet de cinquième catégorie. Là encore, ça pourrait passer. Et Bobda, selon certaines indiscrétions, a déclaré qu'il avait une autorisation de port d'armes délivrée par un préfet de Badjoun, je crois. C'est ce qu'il a déclaré. Problème. Pourquoi lui a-t-il délivré cette autorisation de port d'armes? Je n'ai pas vu l'autorisation de port d'armes. Et c'est là où il y a aussi le danger. Le fait d'aller faire la perquisition en son insu, il peut trouver une faille. Il peut trouver une faille et dire peut-être que l'autorisation a été volée, a été détruite. Vous voyez donc que ces gens, quand ils voient une population fâchée, peuvent aussi utiliser l'arrestation de Bobda juste pour nous jeter la poudre aux yeux. Juste pour calmer la furie du peuple. Ils sont habitués à nous faire ça. Plusieurs procès ont souvent eu à tourner à la dérision au Cameroun. Et puis, beaucoup de gens disent, attendez, il n'y a pas assez de plaignantes, il n'y a pas assez de plaintes, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Je devrais dire que l'affaire Bobda s'inscrit dans une série d'affaires de mœurs, de crimes sexuels, où même les plaignantes n'ont jamais eu gain de cause. Même s'il y a mort, même s'il y a mort d'homme, il n'y a pas gain de cause. Parce que c'est un véritable réseau. Vous connaissez à Douala, il y a eu l'affaire des enfants épagnards. Deux enfants. Deux bébés qui ont été retrouvés, violés, assassinés dans la maison d'un certain Ngando. Il était directeur des affaires financières et de la trésorerie. Ou à la Bicêtre. Gardons pour moi. Lorsque l'affaire a éclaté, on a bien vu que les enfants avaient été sodomisés.
que les enfants avaient été cruellement violés. Leur père était avocat. Une plainte a été bel et bien déposée. Où est allée cette affaire? J'ai dit bien que le père était avocat. Et il y avait les certificats médicaux. On a retrouvé des victimes. Vous savez là où se trouve Maître Pagnan? Il a eu un AVC après. Il est comme un légume. Parce que il a vu la justice de son pays qui était incapable, ou bien parce que les gens donnent des ordres venant d'en haut pour que l'affaire soit bâclée. Il n'y a jamais eu de suite. Rappelez-vous de l'affaire Ngono Lucrèce, une maman de 60 ans. Elle a été violée en plein commissariat de Mokolo. Capitale politique du Cameroun. Capitale politique. Violée. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout. L'enquête a été confiée à la police. Sous la supervision de la direction, c'est le délégué général à la Sûreté nationale qui disait, maintenant, nous sommes à la DPRJ, j'ai confié ceci, vous allez voir ce que vous allez voir. En plein commissariat, il n'y a pas eu d'issue. Cela montre donc que ces réseaux satanistes bénéficient des protections d'en haut, des personnalités qui utilisent des gens comme Hervé Bobda pour prendre, pour attirer ses filles comme des mouches et sont livrées. Hervé Bobda, ils vont donc tout faire pour essayer de trouver une fenêtre. Et plus tard, le libérer, tel que les procédures ont été enclenchées maladroitement. Les premiers actes qui ont été posés l'ont été de façon maladroite, mais de façon très expresse. La justice n'aura plus qu'à balayer ça. Et après, on va traiter même les plaignants de folles. On va les traiter de folles. On va traiter les garçons de fous. Pendant ce temps, on va chercher à corrompre les témoins afin qu'ils tournent les langues, qu'ils retirent les plaintes. Et comme ça, l'affaire meurt définitivement. Vous avez pu constater avec l'affaire Clément Pichoko. Le docteur Clément Pichoko, c'est quelqu'un que je connais bien. C'est moi qui lui ai donné une tranche d'antenne. Parce que j'avais commencé par le voir quand, à l'époque, je partais faire des émissions dans... Vous avez la parole, c'était à FM 94. Mais quand j'arrive en France, j'apprends une histoire incroyable. Qui était en train de chauffer au Cameroun? C'est-à-dire, une femme accusait, même pas une femme, ce sont ses propres enfants, qui l'accusaient de viol. Trois de ses enfants. Deux ans, huit ans et neuf ans. Sa femme s'était enfuie. Nous sommes en 2008. On l'arrête.
Ensuite, on l'amène dans une cellule de police. Je crois qu'il a passé 8 jours. Un des enfants s'appelait Merveille, l'autre Ariel, l'autre, bon, bref, protégeons d'abord les enfants. Je ne te parle pas tout. Ces enfants avaient été consultés à l'hôpital central de Yaoundé par un médecin agréé. À l'examen, les résultats étaient sortis. Que la partie anale et vulve avait été traumatisée. Bref, il y avait eu viol. Selon les résultats d'examen, et il y avait eu viol. On a demandé que l'affaire puisse aller en justice. Ça a tourné comme ceci, ça a tourné comme cela, ça a tourné comme ceci. On a plutôt commencé à aller à demander où 5 ans après. Le 22 mars 2010, vous savez ce que le juge a fait? Il a pris le dossier, il a mis dans les tiroirs. Il a dit, non-lieu. Non-lieu. Même le père de la femme avait changé la langue après, dès que la femme s'est enfuie. Parce que quand la femme a vu ça, elle a dit, hé, la femme avait eu à se confier à un confrère. Un vaillant confrère de Canal 2 qui s'appelle Malik Djoumessi. Avant de partir, il avait d'ailleurs fait une émission à propos. Une grande émission qui regardait justement, qui concernait justement ses crimes et consorts. Je vais d'ailleurs y revenir. Cette dame a été contrainte de partir du pays parce qu'elle était déjà menacée. L'argent coulant. Et que le mec, en plus, lui, il était devenu à cette époque-là un grand animateur à Suite FM. Il avait une émission de santé. Il avait écrit un livre sur Ali Bongo, dont il se félicitait d'être son ami. Et tout le monde connaît que les amis d'Ali Bongo, ce sont les partouzeurs. Tu ne peux pas être l'ami d'Ali Bongo. Non, non, non. Il a écrit un livre sur Ali Bongo. Ali Bongo. Que c'est un modèle pour l'Afrique. Le dossier avait donc été classé. Rien n'a eu par la suite à pouvoir consoler et la femme et les enfants. Puisque même la bonne, 5 ans après, alors qu'on lui avait demandé de témoigner, elle tremblait comme ça, elle tremblait, elle regarde son pote, elle tremble. Puis tu vois, c'est un petit type comme ça, moi je le connais. C'est un gars qui était très, ça, très gentil devant moi, ça, moi je ne peux pas, ce côté-là, ça, puis tu vois, non, non, non. C'est quand, subitement, il faut déjà laver son image qu'on apprend. Wow! Et il y a eu la bonne dit que la femme de Vitioko lui faisait le harcèlement d'aller témoigner contre le patron, lui donner 200 000, 300 000. Mais elle n'est jamais partie témoigner. Et qui avait plus d'argent? C'était quand même le docteur qui avait plus d'argent. Au Cameroun, c'est donc comme ça. Même le beau-père s'était retourné. Et c'est ce qui se passe dans des réseaux de pédophilie. Dans des réseaux, tous ces réseaux, c'est avec la complicité des parents. Parce que quand un parent est à la maison, comment vous voulez qu'une petite fille de 14 ans
ramène à la maison des grands téléphones, qu'elle ramène les sacs de riz, que c'est elle qui fasse le marché pour la semaine. Mais elle travaille où? Elle prend l'argent où? Chez qui? Donc le parent lui-même pousse la fille à aller vers les Hervé Bobda. Puisque quand Hervé Bobda est là, vous avez suivi notre témoignage. Une qui dit que même si lui, même si lui fait comment, moi je n'ai pas appris, donnez-moi seulement, il veut payer mon loyer. Elles veulent le loyer, elles veulent le grand téléphone, elles veulent les Louboutins, elles veulent les mèches brésiliennes qui pendent jusqu'aux fesses et tout, et tout. Le père ne demande rien. Et lorsque la fille se plaint, le même bandit, le même assassin revient fermer la gueule du père, de la mère, avec quelques billets verts. Alors qu'ils sont en train de prendre le mamba vert. Parce que ce sont des vrais serpents venimeux. Voilà ce qui fait le malheur de notre pays. Parce qu'aujourd'hui, le régime en place a mis un système de pauvreté qui fait de telle sorte que l'avenir n'est plus dans l'école. L'avenir n'est plus dans la compétence. La débrouillardise. L'avenir est dans la facilité d'aller dans des cercles, d'aller avec les bobs, d'aller faire ceci, d'aller faire cela. Et tout ça. Les salaires sont peu. Les plus faibles. Et au-delà de ça, il n'y a pas d'emploi. Et au-delà de ça, on vous expose des dérives sectaires. Et voilà pourquoi les Bobda sont très forts et sont souvent protégés. Protégés de telle sorte d'ailleurs que certains ont eu à citer Joël Émile Bangui, qui est quand même un colonel, qui est le patron de la CEMIL. Et on le voit avec Hervé Bobda. Joël Émile Bangui, c'est sa photo qui est sortie. Mais combien de gens, combien de personnalités et combien d'officiers supérieurs sont avec Bobda? Combien de ministres attendent des livraisons de la chair fraîche de Bobda? Combien d'universitaires sont avec Bobda et sont surtout aussi en train de mendier parfois quelque chose? Et combien de personnes ont fait des partouzes avec Bobda? Si Bobda a déjà donc une autorisation de port d'armes, c'est juste parce qu'il bénéficie déjà de ce qu'on appelle des complicités haut placées. Et c'est ce qu'il faut regarder. Qui lui a donné l'autorisation de port d'armes? Il est personnalité de quoi? Il est en danger par rapport à quoi? Il a fait quoi? Il faut justifier. Pourquoi est-ce qu'on a une autorisation de port d'armes? Et bien Bobda, ce qui a beaucoup inquiété et qui a beaucoup effrayé les victimes, c'est justement en regardant des vidéos où des hommes en tenue lui donnent le café chaud, où pratiquement les gradés se plient à lui. Et comme je l'ai dit, quand on voit le colonel Émile Bangui, on peut être effrayé en se disant ce n'est pas n'importe qui et que peut-être derrière lui il y a encore d'autres. Voilà pourquoi est-ce que Hervé Bobda, par le trafic d'influence, par ses relations et surtout par l'arme qu'il détient, fait beaucoup plus peur. Le chez lui ressemble à la Cézala, avec des chiens plus dangereux que les miens qui sont là dehors. Il semble que ces chiens sont capables même de manger de la chair humaine. Il semble que ces chiens peuvent attaquer n'importe comment. Dès qu'il dit tu se manques, attaque.
Et ils ont été dressés pour la guerre. Pour faire la guerre contre qui? Alors que dans son domicile, c'est là où il a fait de son lit un abattoir, de son salon. Bien évidemment, ce que vous pouvez imaginer comme une pelouse de fornication, de clubs échangistes et aussi de transmission de toutes sortes d'énergies négatives. Avant d'arriver sur les relations entre Hervé Bobda et Émile Bankuy et aussi la famille, intéressons-nous d'abord à d'autres faits qui sont très importants. Si aujourd'hui on parle de l'affaire Bobda, c'est parce qu'il y a eu un lanceur d'alerte. Cela veut donc dire qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont très importants. Les réseaux sociaux ont fini par remplacer les médias conventionnels, ou plutôt, ont plus et souvent parfois plus d'écho que les médias conventionnels. Devrait-on donc laisser tout simplement les réseaux sociaux faire ce travail de dénonciation? Les journalistes devraient s'interroger parce qu'ils ont abandonné la société et parce qu'ils ne font plus leur travail. Dans toutes les affaires de crime, dans toutes les affaires de grands réseaux, ce sont les journalistes qui ont fait tomber les plus grands mafieux. Or, au Cameroun, est-ce que les journalistes font leur travail? Si Hervé Bobda, aujourd'hui, est devenu un dangereux prédateur, mais c'est parce que aussi, il bénéficie de la complicité d'un journaliste qu'on appelle Abela, qui est quand même dans le syndicat des journalistes. Heureusement, ces derniers ont décidé de l'exclure. Et quand on voit, beaucoup d'autres journalistes sont aussi dans ces réseaux-là, avec des personnalités. Ces réseaux de la pédocriminalité, de la pédophilie à outrance, ou encore de ce qu'on peut appeler les crimes rituels. Les journalistes ont donc failli. C'est pour cela que chaque fois qu'il y a un phénomène, ils cherchent à écrire cela. Ou bien ils ne traitent pas cela avec autant d'intensité que cela nécessite pour conscientiser les populations. Et ceux des journalistes, cependant, qui osent traiter ces problèmes, ils sont tout de suite anéantis. Depuis l'affaire Bobda, j'ai regardé le traitement de certains médias. Et j'ai été surpris de voir quelqu'un d'Equinox, vous l'appelez comment là? Oh, là. Il est venu pour dire: il y a des vrais problèmes au pays, il y a ceci, on a été éliminé de la CAN. A... C'est ça pour lui un grand problème. Le Cameroun a été éliminé de la CAN. On ne va pas parler des histoires de Sam Kalasson, on ne va pas parler des histoires de Sam Kalasson, quelqu'un l'a accepté, l'autre est parti se déshabiller. Ça, c'est une chaîne de télé. Parce que, à Vision 4, les gens comme les hommes lourds des hommes lourds, pour te recruter, tu passes d'abord, comme tous les ministres, pour te recruter, allez, sur le canapé. À Vision 4, il a fini avec toutes les filles qui sont là-bas, vous avez écouté le témoignage. Et d'ailleurs, les femmes qu'il a épousées. C'était où? C'était à Vision 4. C'est qui est déjà
un abus. Parce que ces gens-là sont sous ta commande, sous ton influence. Et des gens comme Abou Belinga fonctionnent justement comme les Hervé Bobda, avec beaucoup d'argent. On peut obtenir tout, on peut acheter tout, on peut violer tout le monde. Et après, on les déshabille, on les chasse, on les gifle. C'est pour cela que Vision 4 trouve que c'est impropre d'accorder de l'attention à un tel sujet. Ça, on appelle ça que c'est une chaîne qui ne s'occupe même pas des problèmes de société. Mais vous n'allez pas parler de la CAN. Ça sert à quoi, Cameroun, si les enfants sont détruits? Si on vous parle de la prolifération des maladies, si on vous parle d'un réseau de criminalité qui est installé, ils oublient. Ils n'ont pas souvent regardé les chaînes. En France, même pas en France, en Belgique, c'est l'histoire qui a fait le tour du monde. L'affaire Duclos. Marc Duclos, c'était qui? C'était un type de 39 ans que tout le monde voyait au quartier, comme Hervé Bobda, mais sauf que peut-être lui n'avait pas beaucoup d'argent. Mais ce monsieur était aussi un prédateur, mais toutes les chaînes ne traitaient que l'affaire Duclos. Même la reine, le roi, j'ai dit bien que toute la classe politique s'était assise parce qu'il y avait eu un enlèvement de 11 enfants. De 11 enlèvements. Et puis il y avait eu 5 assassinats. Ça, c'est une histoire qui s'est passée justement, je crois, un 13 août 2016. 2008. Non, je crois que c'était 2006. Oui. 2006. Vous avez vu comment est-ce que cette affaire a été traitée? Regardez nos affaires. Ni le ministre de la Communication, à part un petit communiqué de la ministre de la Condition d'Enfant. Non, personne ne parle de ça. Parce que vous dites que l'être humain, les enfants ne sont pas importants. Et tout ça. La fête du trou, on faisait des directs. Toutes les chaînes de télé allaient filmer comment Marc Duclos, avec sa femme qui avait fait le complot là pour les enlèvements là, et puis on montrait jusqu'où la recomposition, lui-même, il repartait montrer là où il avait caché les enfants. On avait trouvé dans le cachot une fillette de 14 ans et une autre de 12 ans. C'était en direct. Et du coup, on a reformulé les lois. Et ceci a permis qu'on déterre même les anciens dossiers qui étaient aussi classés, tels que l'affaire un pasteur qu'on appelait Pandi. C'était en Hongrois. C'est là qu'on va se rendre compte qu'il y avait 40 plaintes qui étaient classées, donc il y avait 40 dossiers de lui qui étaient classés. Ou d'ailleurs, sa propre fille l'avait accusé de violence sexuelle classée. Et puis, il y avait encore une autre fille qui l'avait accusé de viol. C'était aussi classé exactement comme ça se passait au Cameroun. La police s'en fichait. La police s'en fichait. Ou bref, la police n'était pas à l'écoute. Prenait ces personnes comme des folles, seulement des folles. Mais par la suite, on avait découvert qu'il y avait trois maisons où il avait réussi à tuer plus de 20 personnes. Donc deux de ces femmes qu'il avait chassées, il est reparti les tuer. On les appelle donc des prédateurs impitoyables. Lorsque les spécialistes
et les psychologues ont un tel cas et doivent examiner. C'est-à-dire qu'un gars comme Hervé Bobda, il doit être examiné par des experts. Quand vous le voyez danser avec le cigare et tout ça, quand vous voyez son influence, on appelle ça des prédateurs charismatiques. Il est donc dans la catégorie comme Marc Dutroux qui veut avoir l'emprise sur la victime. A l'emprise sur la victime. Aime la domination sur la victime. Utilise la violence sur la victime. Et c'est la même méthode que Pandi utilisait. Pandi, lui, avait chez lui les marteaux. Comme il n'avait pas d'armes, il avait même une scie. C'est-à-dire que quand il finit de te tuer, allez, il te scie, il coupe des morceaux. Il avait l'acide comme le gang des hommes lourds pour contre Martinez. Il y avait des détergents pour nettoyer toutes les traces de sang. Ça, on est seulement parti découvrir ça derrière l'affaire du trou parce que ce sont les journalistes qui ont réveillé ça. Qui ont dit que, mais attendez, on vous parle de cette affaire depuis, mais vous ne parlez pas. Et c'est un journaliste qui, en faisant l'enquête, avait dénoncé du trou en disant que il y a un monsieur ici. Et j'ai eu un témoignage de quelqu'un qui disait que il a vu une camionnette s'arrêter non loin de lui, non loin de chez lui, et qu'on a jeté une petite fille dans la camionnette. C'est un journaliste qui avait commencé ça. On a fait des enquêtes et on a trouvé qu'il y avait la trace d'ADN de la petite de 14 ans dans son camion. Il ne voulait pas parler. Et il y avait des gens qui défendaient, qui disaient ceci et cela. Mais en fin de compte, il avait avoué ses crimes. Grâce à lui, on a donc pu découvrir un réseau. Et dans ce réseau, il y avait plusieurs personnalités. C'est pour ça que je dis que l'affaire Hervé Bobda, ce n'est pas lui seul. Tu ne peux pas avoir ce courage. Tu ne peux pas avoir ses prétentions. Et d'ailleurs, certains témoignages disent qu'il était souvent avec des gendarmes qui pouvaient te porter, te jeter dans la voiture. Et après, il fonctionne quand même à découvert. C'est-à-dire qu'il ne met pas de masque. Cela veut dire que parce qu'il est sûr d'un certain nombre de choses. Et quand il est sûr d'un certain nombre de choses, cela ne date pas d'aujourd'hui. Et c'est là où d'ailleurs, je reviens donc à ce garçon, ce monsieur, ce confrère, il est encore jeune, à qui je vais adresser des félicitations. Celui-là qui était d'abord à RTM, puis est allé à Canal 2 en 2009, Malik Djoumessi. Aujourd'hui, les réseaux sociaux peuvent faire un certain travail. Mais lui, au pays, il a fait un travail extraordinaire de journaliste d'investigation. C'est un petit frère, un confrère, qui aujourd'hui est persécuté juste parce qu'il avait dénoncé ces baobas-là à travers son émission. Parce que son émission s'était attaquée au réseau de pédophilie. De la haute criminalité. Quand il vient à Canal 2, il crée une émission d'enquête. Et cette émission d'enquête va se lancer sur des dossiers très compliqués, sur des révélations et surtout sur une affaire qui était déjà arrivée au niveau de Yaoundé. C'est-à-dire Mimbouman. C'est une enquête qu'il avait réalisée.
Cette enquête, s'il y avait des réseaux sociaux, mais ce serait le plus gros crime. Le plus gros crime jamais vu dans un pays africain. Mais beaucoup d'entre vous, vous ne vous rappelez même pas. Vous ne vous rappelez même pas. Parce que le régime étouffait tout le monde. Quand je parle du régime, c'est parce que ce garçon n'est plus à l'antenne. Son émission avait été suspendue. Définitivement, lui-même, il avait été suspendu 6 mois à cause de cette émission où il s'était lancé dans les viols, enfin, pour dénoncer les viols qu'il y avait eu à Niboumé. Ami Bouman, vous vous souvenez, en moins d'un an, il y a eu un scandale. Ces trafics ont commencé et ont commencé à se développer en 2012, décembre. C'est-à-dire que les partouzes, les machins et tout, ont fait semblant d'inviter des femmes quelque part. Allez, on les assassine. Et même certains se sont mis même plus à inviter des filles, mais à recruter des bandits pour aller les assassiner. Et c'est ça qui est devenu le plus gros scandale. Quand les gens parlent de scandale aujourd'hui, le scandale de Niboumane, janvier 2013. Il ne faut pas oublier cette histoire. 21 filles ont été violées, assassinées. Et on a prélevé les organes à ces filles-là. C'est comme ça que le gars arrive à Yaoundé. Malik. Il arrive à Yaoundé. Il veut faire l'enquête. Il va donc à la gendarmerie de Niboumane. Et il parle aux familles des victimes. Et après cela, on se rend compte qu'il a recueilli beaucoup d'informations. Il rentre dans son hôtel. Quand il rentre dans son hôtel, c'est là où à 3 heures du matin, un monsieur arrive à la réception. Demande à voir Malik. Et ce Malik-là sort. Parce qu'on l'appelle et voit ce monsieur qui est en tenue, qui se présente comme étant un capitaine au niveau de la gendarmerie de Niboumane. Et puis lui dit, il faut que je te parle. Et il lui dit, l'enquête que tu es en train de faire, je suis venu te donner quelques bribes. Quelqu'un voudrait te parler. Qui? Il dit, l'une des personnes qui a commis ces atrocités. Cette personne est en cellule. Au milieu de la nuit, il a peur de monter dans la voiture du monsieur, donc il prend son propre véhicule. Il va suivre le capitaine. Ils arrivent à Niboumane. Suivez bien. Quand ils arrivent là-bas, le gars sort de la cellule et il vient, un costaud monsieur. C'était un gars à Oussa, comme on aime les appeler. D'ailleurs, je vais vous donner tous leurs noms tout de suite. Il vient lui dire tout ce qu'on a dit là, c'est parce qu'on ne veut pas qu'on donne le nom du vrai commanditaire. Et c'est là où il est dit que le commanditaire de ces crimes, c'est lui qui voulait les organes, c'était Edgar Allum Bongo. Et Edgar Allum Bongo était DGSM. Donc c'est lui qui était chargé de la sécurité. Le gars veut tomber des nues. Et après il se rend compte que les procès verbaux avec le capitaine qui était là de garde, on cherche les procès verbaux. Les procès verbaux
avaient disparu. Ils avaient disparu. Le scandale éclate au Cameroun. Issa Thioma était ministre de la communication. Parce que c'est le monde entier qui commence à parler. À travers tout simplement les petites bribes de journaux qu'on lisait. Que 21 femmes. Parce que au mois de janvier, on avait tout simplement dit, c'est-à-dire que les Kawala n'avaient détecté que 15. Exécutés, violés, sodomisés. Et on prélevait les organes. Il rentre donc à l'hôtel. Quand le gars rentre à l'hôtel, les services de renseignement sont au courant qu'il est bel et bien là. Et il décide à diffuser l'émission. Quand il a voulu diffuser l'émission, bam! Le Conseil national de la communication suspendu. Alors qu'il n'avait même pas mis le nom de Mbengo, juste parce qu'il était en train d'annoncer que la suite de l'enquête, je m'en vais à Yaoundé pour revenir avec d'autres éléments. C'est comme ça qu'on l'a sanctionné. A-t-il été soutenu? Non. Et quand il était revenu à Yaoundé, pour refaire cette enquête, moi je suis ici en France. Je comptais sur son courage. Je voulais avoir certains éléments et tout ça, mais il n'était même pas encore autorisé à reprendre l'antenne, mais il vient pour faire les enquêtes, il se dit, je vais quand même, puisque l'émission est bien arrêtée et tout ça, je vais. C'est ainsi donc que, dans son hôtel, à cette époque, il logeait au Mercure. Je ne sais pas ce que c'est devenu aujourd'hui. Un commissaire arrive avec deux policiers. On l'enlève. On l'amène loin, là-bas, en Guatélé, dans une maison privée, hein? Comme les mondes anglophones, là. On va avec lui. On lui dit, tu tentes encore de parler de cette affaire-là, on t'arrête. Il dit, comment vous allez m'arrêter? Il va dire, bon, vous savez que ce qu'on va utiliser, on va dire que tu as violé un aveugle de 21 ans. Et qu'est-ce qu'on lui sort? Un audio où une certaine, il avait une conversation avec une fille qui lui disait, fais-moi l'amour, une fille qui ne connaissait même pas. C'est on retourne l'affaire, que c'est lui qui est devenu le prédateur. Il dit, mais comment je vais faire l'amour avec toi? Toi, tu dis que tu as parlé. Il dit, non, je veux que je mette la vidéo. Il dit, je ne mets pas. Après, il dit, reste donc là, hein, ma chère, tout. Après, il dit, oh, Malik, pourquoi tu me fais ça? Donc, ils ont coupé. Malik, pourquoi tu me fais ça? Donc, quelqu'un est supposé être à Paris. Et on allait pour le tuer, pour qu'il ne parle plus jamais. On allait donc le présenter que c'est toi-même alors qui es parti violer un aveugle de 21 ans. De 21 ans. C'est comme ça qu'ils ont fini avec lui, hein. Il a recréé une autre émission. Toujours à Canal 2. Et cette fois-là, il y avait des viols et des assassinats à Tcham. 52, dont 12 enfants. Quand il est arrivé là-bas, il a fini de faire son enquête. Il était avec son caméraman qui était venu et tout. Dans la nuit, boum, à l'hôtel, on vient le trouver. Les gars étaient venus, je crois, avec un sac. Ils disaient que le sac avait 28 millions. On lui dit, remets toutes les bandes et tu ne vas pas diffuser. Mais il n'avait pas les bandes, c'est plutôt le caméraman qui avait des bandes. Et il avait profité pour s'enfuir, aller à Bafoussam et puis partir à Douala. Et quand il arrive à Douala, il veut programmer l'émission. Je vois comment est-ce que... J'ai dit, ah, bravo, je vais regarder l'émission. Que maintenant, on va dire toutes les vérités sur ceci et cela et tout ça. Quelques temps après, l'émission devait passer à 21h45.
À 21h, je crois, moins, à 21h30, je vois une bande qui est sur Canal 2 qui dit que votre émission ne peut pas passer, votre émission, quoi, que vous attendez, ne peut pas passer. Il dit, quoi? Je cherche dans ma compagne. Je ne parviens pas à l'autre joindre. Je dis, mais ce jeune homme-là, mais ce monsieur-là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est plus tard que j'apprendrai que c'est quelqu'un dont j'étais le nom pour l'instant de la maison qui lui dit écoute, l'émission qui doit passer là, il faut aller récupérer la bande à la chaîne et tu pars voir le préfet qui est en train de t'attendre. Béa, le préfet Béa, celui qui est devenu gouverneur à Yaoundé, c'est lui qui attendait déjà. Une émission qui vient parler des crimes rituels, des viols qu'il y a eu à Cham, avec des preuves, des témoignages. Il n'y a pas de censure au Cameroun. Qu'est-ce que le profond dit qu'il est déjà là en train de l'attendre et tout et tout. Le gars n'est pas parti. Il a décidé de démissionner. Quand il menace de démissionner, c'est là où Eric Fosso, de Canal 2, ira le voir pour lui dire que tu vas vraiment revenir. Non, laisse, c'est un petit incident qui s'est passé. Vous avez insisté que son émission doit passer. Mais par la suite, on avait quand même laissé. Quand il est revenu, que l'émission passe, mais il est resté à Canal 2. 17 mois sans salaire. On lui remettait un bulletin vide. C'est-à-dire qu'il voit le bulletin là qu'il a de l'argent. Mais les gens d'en haut avaient dit que celui-là, plus rien. Et les patrons de Canal 2 étaient au courant. Il n'y avait que, je crois, que Jean-Bruno Tagne qui avait voulu soulever cette histoire. À l'époque, il était directeur général adjoint de l'information. Je crois Jean-Bruno. Il faut voir si je me trompe. Qui avait voulu soulever ça. On lui dit que non, non, non. Il reçoit très bien. Il perçoit tout son salaire. Le gars est devenu fou. C'est un fou. Allez sur YouTube, cherchez les émissions de ce gars-là. Tapez seulement Malik Djoumessié. Vous allez voir la qualité des reportages, des recherches. Et surtout, vous aurez peur de votre pays, de ce qui se passe là-bas. Et de ce que le régime Biya nous a donné. Ce que vous voyez là, les Bobda, ça existe depuis. Ils sont nombreux. Celui que vous voyez là, oh là là là, il est même trop gentil. Il est même trop gentil par rapport aux autres. Ce que nous on a vécu quand il n'y avait pas des réseaux sociaux et qu'on nous interdisait de parler, comme on a broyé ce Malik là, je ne sais plus là où il est aujourd'hui, où il est où il est où je ne sais où est. C'est comme ça qu'ils ont fini avec lui. Et c'est comme ça donc que les journalistes d'aujourd'hui, lorsqu'il y a la vérité, tout comme aussi certains activistes qui sont ici, dès que tu lui donnes de l'argent, boum, il ferme la gueule. Vous voyez ce garçon-là, lui, il avait refusé, je crois que 28 millions à l'époque. 28 millions qu'on lui disait, tu te tais, tu ne parles pas de cette affaire. Mais lui, il avait fait son travail. Des journalistes comme ça, parce que je vois, on félicite beaucoup d'activistes, beaucoup de lanceurs d'alerte. Mais n'oublions pas ceux qui ont perdu leur emploi, ceux qui ont perdu leur vie, comme Martinez Zogo, qui ont fait leur vrai travail pour dénoncer ce régime satanique, parce que c'est une affaire de régime. Il n'y avait pas tout ça au temps d'Aïdjo. Mais s'il y a aujourd'hui ça, c'est parce que les gens vivent de cette chair humaine, boivent ce sang et sont là pour détruire les enfants, que ce soit des hommes, des femmes, des fillettes. C'est un réseau de crimes organisés. Bobda n'est pas seul. Bobda est juste celui-là qui s'affiche comme à peu près quelqu'un qui a du miel pour attirer ces petites abeilles
qui viennent finalement se coller à lui et qui sont détruites. Tant que notre pays ne parvient pas à faire ce qu'on peut demander, même dans les écoles, la morale, tant que dans notre pays, tous les crimes qui passent en justice restent impunis, tant que les Bobda bénéficient encore du fait qu'ils sortent de grandes familles, eh bien, sachez que même s'il va en prison aujourd'hui, on va fabriquer un autre. Et d'ailleurs, combien de temps fera-t-il en prison? Puisque je vais vous démontrer d'ailleurs comment ils ont libéré les autres qui ont commis des assassinats, qui ont commis des crimes. Et d'ailleurs, si on cherche derrière, si on fait des vraies investigations, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas seulement de ce qu'on est en train de vous présenter qu'on accuse Bobda. Parce que beaucoup d'autres choses risquent de s'ajouter, dont les disparitions. J'ai eu certains témoignages qui montraient qu'il y avait telle ou telle personne qui s'était rendue à Douala à l'invitation de Bobda et qui est portée disparue. Cette personne se trouve où? Puisqu'il n'y a pas eu de démenti de la famille. Il n'y a pas eu de démenti de la part de la personne. Ce qui signifie que cette personne est effectivement portée disparue. Et il y a beaucoup de témoignages des femmes, des hommes qui disent qu'ils ont échappé. Quand vous ne faites que dire que oui, il n'y a pas beaucoup de témoignages, il n'y a pas beaucoup de témoignages. Vous voyez que c'est 2 millions de personnes qui vont venir témoigner. Même une personne suffit. Vous n'allez pas dire que si on tue une seule personne, ça va. Si on a tué 2 personnes, ce n'est rien. C'est quand on va tuer 200, 2000 personnes. C'est là où c'est très, très grave pour vous. Je vous ai parlé du cas de Mimbouman. On avait tué toutes ces femmes-là. Je vais vous les lire. Et dans quelles conditions? Et vous allez voir que ça va aller nulle part. Voici ceux qui ont été, celles qui ont été trouvées assassinées à Mimbouman en 2013. Et vous savez, surtout c'est la fin qui va vous faire pleurer. C'est Issa Tiroma, ministre de la communication de l'époque, qui nous avait présenté celui qui était le chef de gang. Il nous avait donné un nom, à savoir Ngegan Kebo Willy Thierry, alias Doudou. Issa Tiroma était ministre de la communication. Je dis bien que les femmes ont été retrouvées nues, comme ça là, en un mois, du jamais vu dans le monde. Nues. On enlève le corps, on enlève les seins, on enlève le sexe, on enlève ceci et cela. Au Cameroun, en pleine capitale, à Mimbouman. Et il dit, Issa Tiroma nous a dit que il y avait Tioso Tsenou Langri, alias Puyol. Ça, ils ont pris les noms de très grands joueurs. Hein. Le joueur du Barça. Ouais. Vous voyez pourquoi est-ce que je ne suis pas supporter du Barça? Parce que les joueurs du Barça, leurs noms sont toujours un genre, ils se trouvent toujours dans des situations compliquées. Issa Tiroma citait le nom de Essama, alias Coq. Que c'est eux qui ont été arrêtés, qui ont avoué leur crime. Et il a dit qu'ils étaient une bande de 10 personnes, au moins. Que nos services de sécurité étaient terriblement d'une compétence et qu'il fallait applaudir et qu'ils allaient immédiatement être condamnés. Les crimes tels qu'ils ont été perpétrés et les sites. Parce que vous dites que où sont les noms? Oh, et c'est le faux témoignage. Oh, s'il y a les enquêtes. Oh, s'il y a ceci et cela, c'est là où on va condamner les gens. Je vous donne les noms, c'est-à-dire les gens
qui sont réels, qu'on a vu les cadavres, dont les familles sont là, et que les criminels ont avoué. Et ces criminels n'ont pas été condamnés. Je vous ai dit qu'ils ont avoué qu'ils étaient avec qui était le commanditaire. Mbengo. Et que Mbengo faisait cela pour le gouvernement. Nono. Ils ont dit qu'il y avait aussi un certain Nono Emmanuel. Nono Emmanuel, c'est lui qui devait servir de courroie de transmission, disait-il, entre eux et ce haut responsable du gouvernement. Son nom n'est pas cité dans l'enquête, hein, comme le nom de le nom de Motazé a disparu là, comme le nom de Laurent Messoa aussi disparu dans l'affaire de Martinez. Le nom de Mbengo a disparu de l'enquête. Et maintenant, on a fait porter ça seulement à celui qui jouait la courroie de transmission, qui s'appelle Nono Emmanuel. Vous savez ce qu'il était? Directeur général d'un concessionnaire auto-international dont j'étais le nom. Ils ont dit que dans le groupe, il y avait Tahok Mongo Photo Jean-Luc. C'est lui qui a donc proposé, qui est venu voir un certain Diambo, de lui livrer les organes des filles âgées de 17 à 22 ans. Mais un arrivé sur le terrain, ils sont allés au-delà. Même les mamans, ils attaquaient. On leur a demandé les organes des filles de 17 à 22 ans. Ce sont vos enfants. Hein? Et ces enfants ont subi toutes les atrocités que vous ne pouvez pas imaginer. D'autres même, jusqu'à aujourd'hui, puisque elle n'avait pas de pièce d'identité, on n'a jamais su qui est-ce. On est parti les enterrer comme ça, comme des moutons, comme des chiens. Galeux. C'est le 5 mars 2013 qu'il y a donc eu la reconstitution des fêtes à Mbengo. Devant le monde entier, les caméras. Et on allait site par site. C'est une Cameroun extraordinaire. Amimboman Cheferi. C'est là où gisait le corps. Un corps non identifié. Comme d'habitude, on dit que c'est Bertrand Ndiambou, le chef de gang, qui avait capturé cette fille-là. Julius Nkemta, l'a étranglé. Et c'est Wafo qui a commencé à la violer. On a d'abord enlevé ses paupières, ses yeux, ses cheveux, le sexe. Après l'avoir violé. Toujours la même bombe. Au niveau dit école maternelle, encore le corps d'une jeune fille non identifiée. Elle a été tuée, étranglée par Jean-Thierry Wafo, qui était le premier à la violer, et les autres se sont donnés à cœur joie. On a enlevé ses paupières, ses yeux, son cœur. Amimboman, petit star, je vous dis seulement en le même mois,
Nous avons la police, la gendarmerie, et ça se passe au même quartier. Mimboman, petit stade. Ici, ils ont flatté une fille dans les partouches, puis sont partis l'endormir avec un produit toxique. Ils l'ont transporté, ils l'ont violé, sodomisé. Ils ont coupé les seins. Amimboman, chefferie nord. On a retrouvé deux corps. Un corps non identifié et un autre corps dont la fillette s'appelait Momo Calixte. On a déposé les deux corps à côté de là où on jette les ordures. Les ventres avaient été comme des chèvres. Et puis, avant cela, ils avaient été violés. Et ça ne s'est pas arrêté là. Ils avaient brûlé les deux filles par endroits avant de prélever les organes. C'est Ngengam Kemwe, ce soir-là, qui était complètement drogué, qui a demandé ça. Il a fait ça avec Tioto Tsen. Le coq, celui qu'on surnommait le coq et sa main. Il a coupé les seins et lui, il s'est enfui avec les seins. Amimboman, au lieu de dire première chapelle, le corps d'une fille au nom d'Agnès Magne avait été retrouvé derrière la direction du Fécamp. Elle aussi, elle avait été violée, sodomisée, les reins enlevés. Et puis le même gang. Était aussi Amimboman Mayeture. On a retrouvé encore non identifié. C'était dans un champ. On avait porté cette fille. Puis on l'a amené dans une maison, on a fini par la violer, par la droguer, puis par l'assassiner et prélever les organes. Le même gars est allé, le même moi, en Kouaban, où ils ont violé, assassiné d'abord, parce qu'on a violé le cadavre, celle-là. Et elle était mariée. On l'appelait Madame Loïse Chipa Mendina Mbanga. Les trois ont violé le cadavre. Là même, on n'a pas violé qu'elle était vivante. Là, c'était le cadavre. Avant de prélever les organes. Au complexe Fouet, habitant, le même gang, même moi, une autre fille du nom de Claude Michel Mbala Mvogo a été étranglée, violée,
les organes prélevés. À Okui Maïtur, le corps d'une fille nommée Marinette Majnifegue a été retrouvé dans un chantier abandonné. Celui qui l'a enlevé a fracassé sa tête, il s'appelle Nguendan, sur une masse de béton. On a trouvé sa tête complètement fendue. Et malgré tout, ils l'ont violé dans cet état-là. En Congo, le corps de Ngetso, encore une autre femme mariée, Ngetso épouse Basso Delphine, a été retrouvé dans un champ. Cette fois-ci, ils ont utilisé une moto. Ils se sont passés pour des gentils garçons qui lui ont dit on te dépose et tout ça. Elle est montée sur une moto et on était parti avec elle dans un champ où on l'avait violée, sodomisée et puis des organes prélevés. Bon, je ne vais pas citer tous les 25 noms en un mois. Ça risque d'être long et douloureux. Mais vous vous rendez compte. Ces gens n'ont été détenus que 18 mois. Le 31 juillet 2014, les chefs de gang, ceux dont je vous cite les noms là, ont été libérés. Et ils ont été libérés. Tao Mongo. Libérés. C'est-à-dire que les gars ont avoué, on a fait la mise. Vous vous rendez compte? À la télé, on les a vus. Les gars sont passés aux aveux. On a fait la reconstruction des faits. Ils sont libérés. Fosso Jean-Luc, libéré. Nommé Emmanuel, qui servait de courroie de transmission avec Jean-Baptiste, avec Mbongo. Qui lui-même, selon les aveux de Nono, était avec des membres du gouvernement et pendant les réunions, se servait de ces organes-là. Il a été libéré. Déjà, il n'avait pas cité. Lui, ne citait. Personne n'avait plus osé citer le nom de Mbongo. On avait peur de lui. Et vous voulez que les gens disent, et ils avaient peur de lui. Et vous croyez que les victimes d'aujourd'hui, qui ont vu certaines personnalités, avec leurs yeux, qu'elles auront le courage. Donc, Nono Emmanuel était considéré. C'est le porte-parole du gouvernement, Issa Tchiroma, qui nous a dit que c'est le chef de gang locaux. Il a dit que c'est le commanditaire. Ce n'était plus un membre du gouvernement qui était commanditaire. C'était devenu Nono. Et on vous dit que Issa Tchiroma, en gouvernement, ils sont venus nous dire que la loi, c'est la loi, et on va punir, on va faire des... Nono est dehors. Si vous le voyez, mesdames, messieurs, fuyez, c'est un grand tueur. Je donne ce nom-là pour que vous compreniez vos cousins, vos frères, vos voisins, pour que vous sachiez qui est même à côté de vous et que vous sachiez que vos enfants, vous-même, vos femmes, sont en danger parce qu'ils sont protégés. Mamoudou Ousmane Guessama. Mamoudou Ousmane, suivez bien ce nom-là. Mamoudou Ousmane
décemment. Eh bien, c'est donc celui-là même qui avait alors avoué devant Malik et devant le capitaine que c'est Ngongo, que c'est Mbongo. Vous savez que Ngongo est tellement dans des coups que maintenant, même si vous avez mal au pied, on va dire que oh, c'est le grand Ngongo. Matidé, c'est Ngongo. Ngongo. Vous voyez, l'homme à la panque, il est partout. Donc, c'est notre langue là. Celui-là, c'est Mbongo. Mais bête, vraiment, le gars méchant. Hein? Ils ont été libérés. Pourtant, ils avaient été placés sous mandat de dépôt les 11 et 25 mars 2013 sous le dossier 283-SOG-13. Retenez le juge, le nom de ce juge d'instruction. Si vous le voyez, si vous le connaissez, si c'est votre frère, ne le saluez plus jamais. C'est le démon. C'est un corrompu. Les maisons qu'il a là, c'est l'argent du sang. Il s'appelle Mpondo Jean-Pierre Osé. Il a osé faire ça. Mpondo Jean-Pierre Osé. C'est lui qui était juge d'instruction. Donc, si Kati Gombo que vous voyez là, aujourd'hui, ils existent comme ça depuis. Et vous voulez qu'on fasse comment confiance à la justice? Ils sont du côté des tueurs, des prédateurs, des psychopathes. Retenez le nom de cette greffière qui s'est beaucoup enrichie et qui était là, qui accompagnait ce juge. Ngadjui Siko Corinne. Si c'est votre tante, si elle vous donne la nourriture, hein, ayez même peur, peut-être c'est la chair humaine qui est dedans. La femme là, avec ses yeux rouges là. Et il place toujours ces gens-là à leurs endroits parce qu'ils doivent les protéger. Voilà pourquoi est-ce que les crimes rituels ne sont pas punis. Voilà pourquoi est-ce que vous allez entendre qu'il y a les disparitions, il y a ceci et cela. Tous les jours, disparition, disparition. Parce que c'est un réseau qui va de l'homme qui est devant, qui est dans la société, qui est dans les boîtes de nuit, qui peut capturer des filles, qui peut attirer des filles, qui peut organiser des réunions, des filles comme des garçons, parce que tout le monde est dedans. Et puis, ils le font parce qu'ils savent que là, il y a un homme en tenue, et là, il y a la justice, et il y a tel ministre qui va nous faire sortir de là. Voilà comment ça fonctionne. Voilà comment ça marche. Si vous voyez Hervé Bobda dehors, sachez que ce sont ces réseaux qui ont agi. Parce que les réseaux, il en a trop. C'est un gros poisson qui, bien sûr, bénéficie du réseau qui avait été laissé par son père et qui, tel fils, tel père, ou tel père, tel fils, continue à perpétuer les actes délictueux, dangereux, criminels, assassins.
Avec l'affaire Hervé Bobda, des noms ont été cités. Pêle-mêle. Les stars des réseaux sociaux, les influenceuses, journalistes, et aussi, vous avez commencé à voir une photo qui a circulé où Hervé Bobda se trouve sur un canapé avec le colonel Joël-Émile Bancuit. Et du coup, les gens se sont dit, certainement c'est un grand qui le protège. Sur le fauteuil et dans cet appartement, on voit d'ailleurs les deux très souriants. Et même les télécommandes placées à côté de Joël-Émile Bancuit. J'ai donc cherché à comprendre quelle est leur relation, qui les lie, et s'il est protégé par Joël-Émile Bancuit, et qu'est-ce qui se passe aussi au niveau de cette famille. En faisant mon enquête, j'ai découvert effectivement que Joël-Émile Bancuit est un ami de longue date de la famille Bobda. En effet, Joël-Émile Bancuit, sortant d'un Consamba, parce qu'il faut se dire qu'il est sorti de l'ENA, en 1992, dans la promotion Ouverture. Il est donc affecté en Consamba, où il a assez sévi avant d'aller dans une région, dans une zone où il y avait pas mal de crimes. Il sera donc commandant de compagnie de la MIFI, donc le seul commandant de compagnie à la MIFI. Avec ses méthodes, parce qu'il ne rigole pas, Joël-Émile Bancuit va donc essayer de mettre la propreté, comme on dit, nettoyer la ville. Et en nettoyant la ville, parce qu'il arrive justement à la MIFI dans les années 98, il va y rester, je crois, 98-2001. Il devient un homme qui marche sur tout ce qui bouge. Et grand. Et d'ailleurs, pour ceux qui se rappellent, une histoire d'ailleurs le concernant était sur l'assassinat du neveu de Kongel Kam. En réalité, ce n'est pas lui qui l'a assassiné, mais c'est un autre commandant. Mais comme il était le commandant de compagnie qui coordonnait tout, c'est lui qui devait donner des explications. À cette époque, il y avait un grand réseau de bandits qui sévissaient, qui terrorisaient les milliardaires, qui pouvaient venir de jour comme de nuit. Et d'ailleurs, ils étaient 9. C'est l'un des premiers gangs qui a été neutralisé. Dans cette affaire, pendant que les autres criaient, la hiérarchie l'avait félicité d'avoir réduit la criminalité justement là-bas à l'ouest. C'est ainsi donc que tous les milliardaires vont chercher à devenir petit à petit ses amis. Donc particulièrement Emmanuel Bobda, le fondateur, le créateur, le PDG de Afrique Construction. Il va connaître Émile Bancuit à travers une histoire. Parce que c'est un problème qui va arriver au niveau de la compagnie. Ça concerne justement Emmanuel Bobda, qui est accusé de ne pas payer les salaires à un certain Fosso Jean II. Fosso Jean II décide donc d'expulser quand même un millionnaire, un milliardaire, Emmanuel Bobda. Et pourtant, quand il construisait cet immeuble, c'est chez Emmanuel Bobda qu'il était parti prendre le matériel de construction. Mais il avait payé. Mais quand
quand il arrive, comme c'était un conflit d'ego, c'est moi le plus chaud, c'est moi qui ai plus d'argent, et surtout que Emmanuel Bobda, c'est quelqu'un qui aimait les problèmes. C'est quelqu'un qui marchait sur tout le monde, qui marchait sur ses employés, qui également gérait toutes les femmes de ses employés. Bref, il était la photocopie. Ou alors, c'est son fils, Hervé Bobda, qui est sa photocopie. L'affaire va arriver chez Bankui. Et c'est Bankui qui va régler le problème entre ces deux dignitaires, ces deux géantosaures de la région, à savoir Emmanuel Bobda et Fosso Jean II. C'est ainsi qu'ils deviennent donc très amis. Bankui pouvait manger chez lui à midi, lui chez Bankui le soir, ainsi de suite, ainsi de suite. Bankui va se faire un réseau incroyable à l'ouest avec tous les milliardaires, que ce soit même le père Victor Fosso, les Fournier, tous les Sohen, ils étaient avec Bankui. Donc, du coup, celui qu'on appelle Hervé Bobda devient le fils de Bankui. Il devient le fils de Bankui. Ce n'est pas son petit frère, parce que je crois que Bankui aura bientôt 60 ans là, oui. Parce qu'on avait dit, qu'il devait aller en retraite là, comme en avril 2023. Mais Paul Biya a rallongé. Donc, Émile Bankui a tellement travaillé dur là-bas, avec ses méthodes. Parce que je vous dis, ce n'est pas un homme tendre. Hein. Bankui n'est pas du tout tendre. De telle sorte que c'est Victor Fosso qui va présenter Bankui à qui? À Laurent Esso. Voilà comment Laurent Esso dit, il faut que Bankui vienne nettoyer Douala. Laurent Esso, comme vous voyez là, c'est lui qui fait partir Bankui de l'Ouest pour faire qu'il devienne commandant à Douala. Mais arrivé là-bas, il aura des problèmes. Je vais y revenir. Bankui va s'installer à Douala. Mais à Douala, il va faire face à un autre premier problème d'Hervé Bobda. Hervé Bobda a connu ou des gangs en Angleterre. Il a fui. Il est venu se réfugier en fêtant à Douala. Pour l'instant, son père lui a donné certaines activités. Comme j'ai dit, c'est lui qui devait dédouaner tout ce qui venait au compte de la société, à faire construction. Bref, il pouvait jongler un peu d'argent comme il pouvait faire et tout, et tout, et tout. Mais sauf que, un problème va l'opposer à un colonel. On ne sait pas si cette affaire-là concernait déjà leurs histoires de nuit. Ou quoi? Toujours est-il que j'ai tenté de faire une enquête sur ça. Personne n'a voulu m'éclairer sur ça. Mais sachez que le colonel avait dit que c'est un bandit. Hervé. Hervé Bobda. Il avait tiré sur lui à bout portant. À bout portant. Boum! Nous sommes en 2004. 2004. Hervé Bobda a échappé à la mort parce que la balle a pris juste au-dessous du cœur. C'est Joël Émile Bankui qui viendra le transporter et il va l'amener à la clinique Mouna. Donc, la clinique de la famille Mouna. Donc, du frère de Akiré Mouna. C'est donc grâce à l'opération, parce qu'il appelle, c'est le commandant qui appelle et tout, et tout, et tout. On est venu intervenir, sinon Hervé Bobda mourait. C'est donc Joël Émile Bankui qui sauve Hervé Bobda. Hervé Bobda va donc profiter de ça. C'est-à-dire que quand il va ressortir de là, qu'il a un homme quand même fort, qui est dans la ville, qui s'appelle Joël Émile Bankui. Bien évidemment, comme on appelle ça trafic d'influence,
À cette époque, il n'était pas encore si influent. Mais quand même, il bénéficiait de ce qu'on peut appeler l'amitié, les photos et tout. Joël Émile Pankou était dans toutes les réunions de famille. Il était dans toutes les manifestations. Toute cette famille le connaît. Toute la famille, il est dans la famille Bobda. Jusqu'à ce qu'il soit affecté en 2016. Parce que par la suite, lui-même, il aura un problème, je crois, en 2008. Puisque sa femme Danielle, dans leur camp militaire là-bas, avait été fusillée par Bankou. Enfin, pas elle-même, mais son amant, qui était un djipoum. Voilà, je crois que c'était un inspecteur de police, un gabamoun. Joël Émile Bankou l'avait accusé, enfin, selon lui, qu'il avait attrapé avec son épouse dans sa chambre, sur son lit, et il avait abattu. Ça, c'est une parenthèse. Donc, Joël Émile Bankou est parti à Yaoundé. Je crois depuis 2016, je crois, oui, il est le patron de la CEMIL, la sécurité militaire, depuis 2016. Evin Bobda, lui, il est resté à Douala. Donc, pour l'instant, je veux d'abord dire, concernant Joël Émile Bankou, première des choses, c'est quelqu'un qui, faut-il le dire, est jaloux. Puisqu'il a tué quelqu'un pour son épouse. On peut dire tout ce qu'on veut, mais il ne participe pas par tous. Mais en fait, Hervé Bobda est aussi un homme de nuit qui est utile à Joël Émile Bankou. Pourquoi? Joël Émile Bankou est très futé dans le renseignement. Et le renseignement, c'est avec les filles de nuit et les hommes de nuit. Donc parfois, quand on veut t'espionner, quand on veut te tendre une embuscade, on envoie ces filles-là. Les filles qui sont avec Hervé Bobda. Je ne sais pas s'il a fait ça avec Hervé Bobda. Mais je dis bien que s'il est resté avec Hervé Bobda, non seulement comme un grand frère ou un père, mais surtout parce qu'il faut savoir que pour avoir le renseignement de l'extérieur, Joël Émile Bankou connaît tout le monde de la nuit. Il connaît tous les journalistes. Il a les contacts avec les activistes. Voilà pourquoi d'ailleurs le régime n'a jamais voulu se débarrasser de lui pour aller au niveau de ce qu'on peut appeler la retraite. Mais moi, comme je vous ai dit, je vous ai donné juste leur relation. Cette relation-là, a-t-il une protection? Je ne sais pas. Mais je veux vous dire que c'est une relation qui date de l'époque du papa. Et que maintenant, Joël Émile Bankou est à Yaoundé. Hervé Bobda est à Douala. Je me suis dit, si Hervé Bobda voulait peut-être se faire protéger, je crois qu'il serait venu à Yaoundé. Mais il est resté à Douala. D'ailleurs, lorsqu'il se rend compte qu'il est recherché, qu'est-ce qu'il a fait? Il a couru plutôt chez Pat Diamant. Nous sommes lundi. Parce qu'il faut que vous connaissiez, que je vous donne les relations avec chaque nom qui a été cité. Il est allé chez Pat Diamant dans la journée. Pat Diamant n'a pas voulu le recevoir. Pat Diamant a chuté. Parce que Pat Diamant lui-même, il sort, je vous avais d'ailleurs dit, de la cellule. Non seulement il était au niveau de la police judiciaire ou la bande de le commissaire Esco là voulait lui arracher quelques milliards et finalement ils n'ont rien eu, ils l'ont transféré au niveau du tribunal criminel spécial et finalement le QCS, on n'avait rien pour accuser, on ne savait plus quoi faire, bon bref, on l'a laissé. Mais en fait, Pat Diamant, lui-même, il sait que ces gens-là sont en train de monter une autre histoire pour l'arrêter encore. Donc, Pat Diamant s'est dit que, oh, ça c'est un piège. Et surtout que, oh, tu reviens comme ça, là, non, 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 je ne te veux pas. Donc, ce n'est pas chez Pat Diamant qu'on l'a arrêté. D'ailleurs, il n'est jamais entré dans la maison parce que Pat Diamant n'a pas accepté. La relation avec Pat Diamant, c'est quoi? C'est son cousin.
Il est le cousin germain de Pat Diamant. Le père de Pat Diamant est le frère, était le frère plutôt de Emmanuel Bobda. C'est le père de Pat Diamant qui meurt le premier. Et quand le père de Pat Diamant meurt, eh bien, Emmanuel Bobda devient donc le père de Pat Diamant et aussi le père de Hervé Bobda. Comme ça, lui, là, c'est comme ça. D'ailleurs, quand Emmanuel Bobda va mourir en août 2020, il y aura une veillée qui sera organisée ici à Paris. D'où certaines photos. La veillée se fait au 8e arrondissement de Paris. Qui organise ça? C'est Pat Diamant. C'était dans une église. Après, il y a eu une réception. Ça, c'est au niveau de certaines relations. Mais maintenant, quelles sont les autres relations qui sont cachées derrière? Pour l'instant, nous savons tout simplement que c'est un homme qui a beaucoup de tentacules, mais surtout qui évolue dans la nuit et qui a créé d'autres réseaux. Quand on regarde justement ce monsieur, c'est-à-dire que son profil, comme j'ai dit, c'est un prédateur charismatique, mais en même temps, comme on dit, il peut être un psychopathe impitoyable. Parce que lorsqu'on écoute certains témoignages, il peut aller loin. Lorsqu'on voit un certain nombre de choses, peut-être quelqu'un qui peut compromettre, quelqu'un qui peut faire ceci et cela, il peut agir de façon très dangereuse. Et il faut savoir surtout que concernant sa relation avec Joël-Émile Bancuy, Joël-Émile Bancuy a entraîné ce monsieur-là au karaté. Il venait au club de Joël-Émile Bancuy. Vous savez que Joël-Émile Bancuy, que vous voyez là, il a la ceinture noire. Hein? Donc Bobda a d'abord fait en Angleterre ce qu'on appelle le culturalisme. Puis quand il arrive à Douala, il se met à entrer dans des clubs d'arts martiaux. Et parmi ses grands maîtres, il y a eu, bien sûr, le colonel Joël-Émile Bancuy. Donc quand ce monsieur frappe sur les femmes, c'est d'ailleurs interdit quand vous faites les arts martiaux. Il s'est forgé, pas pour entrer dans la même comme il se présente souvent, mais il s'est forgé pour agresser des hommes et des femmes. Il s'est prédisposé, il s'attendait à ça. Et comme je vous ai dit, si on fouille dans son passé, je vous ai seulement donné quelques éléments, je n'ai pas eu le temps, vous le savez très bien, c'est une histoire récente. Quand on fait une enquête journalistique, ça peut prendre des mois, voire des années. Et parfois, même on utilise des consortiums. Mais moi, je suis là parce que vous me demandez de vous donner des bribes d'informations. Ce qui est vrai, ce qui est réel, ce qui est concret. Je ne suis pas dans ce qu'on appelle l'imagination, la philosophie. Je vous parle de ce qui est concret et ce qui peut se vérifier. Les noms que je cite, ce ne sont pas les noms anonymes. Ce ne sont pas les noms inventés. Ce ne sont pas des histoires inventées. C'est des histoires qui existent réellement. Donc, côté Joël-Émile Bancuy, je peux vous dire que, bon, voilà ce que j'ai appris de leur histoire. Mais côté familial aussi, il faut savoir qu'il y a des conflits internes. Est-ce que c'est ces conflits internes parce que Hervé Bobda dit qu'il est victime d'un règlement de compte parce que son petit frère, lorsque son père mourait, a décidé d'anticiper un certain nombre de choses. Selon Hervé Bobda, son frère, malgré le fait qu'on voit certains communiqués, a pris le compte bancaire de leur père, Emmanuel Bobda. Et il a changé ça pour que ça devienne son compte. Comme c'est des Bobda et tout est possible au Cameroun. Voilà son raisonnement. Voilà ce qu'il dit. Et il dit que c'est à partir de là que son frère monte toutes ces personnes, toutes ces histoires pour pouvoir l'accuser. Et à partir de là, ils disent donner les numéros d'anonymes et tout. Mais comme je vous ai dit, concernant la richesse de leur père,
cette richesse est presque aujourd'hui spoliée. Même si on dit qu'il était milliardaire, mais sauf qu'il est endetté. Et qu'aujourd'hui, il y a bien Kanga Joseph qui a été désigné comme administrateur pour s'occuper de tous ces biens-là. C'est pour ça que je n'ai pas voulu prendre en considération le prétexte balancé dans des réseaux que c'est une affaire de succession parce que ceci et cela. Parce que pour l'instant, personne n'a de mainmise sur l'héritage. À part peut-être ce que Hervé Bobda lui-même prétend que son frère a voulu détourner, faire ceci. Donc, il y a d'abord des problèmes au sein de la famille. Ça, c'est vrai. Il y a de la concurrence au sein de la famille. Ça, c'est vrai. Il y a des mésententes au sein de la famille. Ça, c'est vrai. Mais aussi au sein de la famille. Parce que le père avait beaucoup de relations. Chaque enfant a récupéré une part de relations pour exploiter à sa guise et pour régler aussi les comptes à d'autres. Il faut donc savoir que même si aujourd'hui on parle de Hervé Bobda, c'est un réseau qui vient du fait que son père était haut placé. Hervé Bobda, qui pouvait avoir de l'argent et qui pouvait encore banquer, a donc réussi à mettre, vous le savez, les personnalités au Cameroun se mettent par la poche. Et comme c'est aussi par le sexe, il tient le monde du sexe. Et le monde du sexe, c'est le monde de la nuit. Et dans le monde de la nuit, on dit souvent que les hiboux ne viennent pas raconter le jour ce qui se passe la nuit. Sexe, crime rituel, domination, sont les atouts de tous les membres du gouvernement à 80% du régime Biya. Quand ce ne sont pas des partous, ils vont toujours utiliser d'autres choses pour soumettre les femmes, pour soumettre les hommes. C'est là où ils se sentent puissants. Ce sont des vrais prédateurs qui sont cachés, qu'on voit, qui sont applaudis, qui sont tout puissants et qui détruisent beaucoup de vies. Aujourd'hui, même quand vous voulez gagner un marché, il faut baisser la culotte. Beaucoup de femmes au pays sont obligées de passer par là. Pour les promotions, il faut baisser la culotte. Voilà la condition sine qua non. Mais des femmes qui parfois ont grandi ici, ne parviennent pas ou ont une culture ici, n'accepte pas souvent cela. Parmi ces gens, je peux citer Calixte Beyala. Calixte Beyala, elle aussi, elle est tombée dans ce qu'on peut dire, ce réseau, où on vous jette un maïs et après, on vous attrape comme une proie. Parmi les gens de ce régime qui peuvent être pires que Bobda, se trouve un type qu'on appelle Samuel Vondaïno. Quand il était au Gabon, tout le monde se souvient que l'ambassade du Cameroun était un hôtel à ciel ouvert. Et il y habitait juste un peu derrière. Et puis, à partir de 13 heures, il pouvait recevoir. Même si sa femme pouvait être derrière, Samuel Mondaïno pouvait cogner. Les partous ont toujours été organisés dans une institution comme
l'ambassade du Cameroun au Gabon. Et d'ailleurs au Gabon, non seulement il a eu à laisser des germes à gauche et à droite, du sperme et tout à cultiver, même son ami qui est arrivé au pouvoir après la mort de Omar Bongo, donc Ali Bongo, lui aussi expert dans ce domaine sexuel, partout, sodomie, homosexualité, tout. C'est son grand ami. Il a fini par lui arracher aussi Joyce Ondo, une fille qui a fait l'enfant avec Ali Bongo. Et que, comme d'habitude, avec Mondayolo, il te prend, il te suce, et pour t'humilier, il prend même ta femme, il peut même prendre tes enfants, il prend tout le monde. Il te prend toi-même. Il finit avec toi, il finit avec ta femme. Et d'ailleurs, il avait fait cet enfant, une fille, qui, je crois qu'elle est actuellement à Paris ici. Je me réserve de donner son nom à cette Joyce Ondo, ce qui avait vexé Ali Bongo, qui était véritablement déçu que ce ne soit que là-bas. À Paris, vous avez pu voir que lorsque la base a attaqué la massacre, qu'est-ce qu'on avait trouvé comme trésor de guerre dans le bureau de l'ambassadeur? C'était quoi? Toujours le même héritage. C'était les condoms, les préservatifs. Qu'est-ce que les préservatifs peuvent faire dans un bureau de l'ambassade? Qu'est-ce que ça peut faire? Dès que vous venez, vous êtes bien. Allez, bloup, on vous prend. Mondayolo, vous êtes comme ça là. Allez. Le réseau de proxénétisme de l'ambassade vous ramasse et monte avec vous. C'est ce qui s'est passé donc. Et c'est ce qui s'est passé en 2018. Calix Beyala voulait faire un passeport, un visa plutôt. Elle voulait un visa pour aller au Cameroun. Elle ne connaît pas mon pays. Quand elle arrive là-bas, boum, on lui dit, l'ambassadeur veut vous voir. Elle est venue faire son visa. Mondayolo est ambassadeur du Cameroun à Paris. Parce qu'il faut comprendre un certain nombre de choses. Elle va. C'est là où Mondayolo commence sa drague. Elle arrive au Cameroun. Elle ne lâche pas là. Elle arrive au Cameroun. Mondayolo la suit au salon du livre qui se tenait à Yaoundé. Mondayolo, entre-temps, raconte comment est-ce qu'elle est déjà avec Calix depuis plus de 30 ans et machin et tout. Lorsque ça se gâte, ça va se gâter comment? Parce que le même Mondayolo, là où il allait, les amis Ndé, les sessiers, cela, la famille Ndé, les garçons et tout, toujours tout. Mélangeons, pop. Entre temps, il avait logé d'autres gens avec qui il faisait les partouzes au Gabon. Un s'appelle Henri Mbirandi. Où il était ambassadeur du Gabon à Sao Tomé et Principe. Là où il va aussi cacher son argent là. Ou bien consul, mais il dit toujours, je suis ambassadeur, je suis ambassadeur. Si je n'avais pas dénoncé, ce monsieur-là ne quittait pas l'hôtel. Il tombe. C'est l'État du Cameroun qui paye, c'est-à-dire que l'argent du cabinet civil, tous les hommes comme Mondayolo loge, tous les petits garçons, toutes les femmes, et machin, les métis, parce que dès qu'ils voient un métis, oh là 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 là, dès que vous voyez une métisse là, Yaoundé, dit tout ce maoyo, ne l'appelez pas par son nom, dites seulement Mondayolo, vous allez voir, elle va sursauter. Vous dites seulement Mondayolo, elle sursaute. Dès que vous voyez une métisse un peu briller là, Yaoundé, vous dites Mondayolo, allez, elle va sursauter. Donc, Mbirandi
était logé au Hilton. Plus d'un an et demi. Pour au compte du contribuable camerounais, c'est-à-dire l'argent du cabinet civil. Alors qu'il dit qu'il est milliardaire. Il dit qu'il est milliardaire parce que son père avait le cacao et puis et tout. Donc voilà les choses qu'il présente aux femmes. Exactement Hervé Bobda 2. Hervé Bobda 2, c'est moins d'un euro. C'est moins d'un euro. Et comme ça donc, il avait pris notre soeur. Mais qui a quand même des valeurs et qui rapidement a voulu sortir de là avec un peu d'honneur. Mais ces gens, dès que tu les lâches, ils deviennent fous furieux comme Bobda. Ils sont prêts à te tuer. Ils sont prêts à t'avaler. Vous vous rappelez d'ailleurs, il y a un là qui disait qu'il traitait avec les gens de la présidence de la République qui avaient tué des étudiantes. Ils s'étaient transformés en serpent. Vous croyez que c'est une histoire fausse? C'était à l'université de Tiens. Attendez, je crois que j'ai d'ailleurs ce nom-là. Oui. Vous vous souvenez? Je vais vous donner les noms. Ce monsieur-là, c'était Ashunganya Blessius. Il a 3 femmes hein, et 15 enfants. Et il avait pris pour une étudiante, une chambre qu'il payait. L'étudiante là, c'était un Ken, Magben Armel. Et on appelait là-bas résidence de la paix. Et elle avait une amie qu'on appelle Marie-Pascaline Lemdoum. Les trois faisaient 3e année de sciences éco et marketing. Le gars arrive à 11h. J'ai dit, on va revenir sur mon euro. Ça, c'est une parenthèse. Pour vous dire que ces gens-là, il arrive à 11h, il s'est enfermé dans la chambre, à clé, 11h. Les gens ont entendu, les autres étudiants ont entendu comment les filles criaient, serpent, 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 et viennent pour essayer d'ouvrir. Ils n'avaient pas réussi à ouvrir. On appelle la police. Quand la police est arrivée, la police a fait casser la porte. Celui que vous voyez là, il est seulement là. Il est là, oui, monsieur le directeur du cabinet. Oh, monsieur le président, appelle le président, appelle le tel ministre. Oh. Tout le monde le connaissait. Il disait qu'il travaille avec la présidence de la République. Quand la police est venue, on avait trouvé les filles nues. Et vous savez quoi? Leur deux ventres étaient ouverts. Comme si quelqu'un, comme si c'est un tigre qui vous a planté les dents. On voyait les intestins. Les blessures sur les cuisses, au cou, sur la tête. Les deux. Mais le plus extraordinaire, c'est qu'il n'y avait pas une seule goutte de sang par terre. On est venu porter les cadavres. Il n'y avait pas une goutte de sang. Le gars avait vidé tout le sang de ces deux femmes-là. Bon, pour l'instant, je n'ai pas encore un témoignage que mon euro a vidé une femme du sang et tout. Je ne vais pas dire ça que je ne... Non. Même si tu détestes le chien, reconnais que ses dents sont blanches. Mais ce monsieur-là, c'est quelqu'un qui sévissait et personne ne voulait le toucher. La justice ne voulait pas me dire tout simplement que c'est la présidence de la République. Oh, c'est le gars de la présidence de la République. Je crois que qui avait même vendu ça, c'est Maître Lavoisier, qui était l'avocat des victimes. Même les parents de ces filles-là avaient fui. En plein jour, hein, je vous dis en plein jour. Les gens sont venus, les étudiants avaient peur de venir témoigner, mais ils disaient à toute la police qu'on a entendu comment ils étaient en train de crier, serpent, serpent. On a trouvé un monsieur avec une grosse boule de graisse
au niveau du nombril. Une boule. Il n'avait aucune blessure, aucune égratignure. Revenons donc, ça c'est une parenthèse. Pour dire que quand on dit président, c'est machin et tout, donc dès qu'il se présente là, hop, parce que cette fille-là, exactement, c'est ça que, naïvement, croyant que quand on travaille à la présidence de la République, c'est qu'on est ça, c'est qu'on est ceci, c'est qu'on est cela, on fait confiance. Mais c'est des gens qui ont leur rituel, qui ont leur sacrifice, qui ont ceci et cela. Et le pire, c'est que, parce que justement, pourquoi est-ce qu'ils se débarrassent d'elle? Parce qu'une avait commencé à dire que non, c'est que quand je vois, je ne vois plus mes règles, je ne vois plus ceci et cela, je crois qu'il faut, va falloir. L'autre lui a aussi dit que moi aussi, ma co, et tout, et tout, et tout. Le gars a dit qu'il fallait finir avec. Dire à ces gens, je ne veux pas de toi, devient un véritable problème. Et chaque jour, et il y a toujours des guet-apens. L'affaire Martinez Zogo, d'ailleurs, Vanda Yolo y est impliqué, y est cité. Et d'ailleurs, quand Calix Beyal commence à dénoncer qu'elle veut la justice Martinez Zogo, c'est là où Vanda Yolo est encore beaucoup plus fâché. Parce que Vanda Yolo croyait la tenir, faire ceci, lui faire des petits dons. Or, il faut se dire qu'elle-même, elle tient, elle a quand même de l'argent, elle écrit des livres, et attendez, elle a... et il n'a pas apprécié ça. Voilà donc que Calix Beyala va au Cameroun. Elle va ouvrir, elle va offrir un petit pont, un pont, parce qu'on ne peut pas dire petit pont, parce que c'est un pont de plus de 5 mètres de long. À Newbern, PK 15. Je ne connais pas très bien Douala. Vous pouvez me rectifier si c'est là où elle est née, c'est là où elle a grandi. Elle ne demande rien ni au gouvernement ni à l'État. Lors de l'ouverture du pont, les personnalités viennent. Et d'ailleurs, vous avez pu voir ceux qui ont regardé à la télé, il y avait Grace Descartes, il y avait le député Nietzsche, il y avait Petit Pays. Bref, il y avait beaucoup de personnalités qui sont venues parce que c'est un pont qui dérangeait les populations. Et elle est venue avec son argent comme don. C'est pas l'argent. Modayolo, lui, il prend l'argent du Cameroun pour donner aux femmes, aux Gabonaises, à ses amis, aux pornographes, partouzeurs et tout, et tout, et tout. Calix Beyal a pris son argent, l'argent qui est ses poches, pour faire un pont. À peine ça finit à la CRTV que Charles Ndongo a envoyé un reporter, que Nana, Marie-Claire Nana, de Cameroun Tribune, a envoyé un journaliste. À peine Vanda Yolo a vu ça, il a dit, oh, pourquoi on a diffusé? Oh, Bibi! Il va, il prend un petit journaliste que moi-même j'avais formé là. C'est son, on appelle là, les chasseurs de primes. Tueur à gage. C'est un crime. Vous ne pouvez pas venir insulter une femme, la traiter de vieille ménopausée, de comment elle vous drague, oh, elle a voulu vous donner 50 millions. Comment vous pouvez être méchant comme ça? Ce sont ces gens-là, ces bobdas-là qui ne veulent pas voir des femmes s'émanciper, qui ne veulent pas voir des grandes femmes, qui ne veulent pas voir des femmes offrir quelque chose. Ils veulent toujours des femmes qui sont mendiantes là. Quand j'ai écouté ça, je dis, mais c'est pas, je n'ai même pas voulu écouter. D'abord dans un français ordurier, puis il y a des choses qu'on dit vis-à-vis de... Et surtout quelqu'un qui ne vous a rien fait. Depuis des mois, depuis des années, vous avez oublié qu'Alex Beyal, non. Je sais que comment. Ma soeur, tu aussi, tu as même pédalé comment. Ok. Toi aussi. Tu lui fallait diminuer le niveau. C'est quoi même que... Regarde. De toutes les façons, comme il ne veut pas qu'on montre ce pont-là, ce pont, moi je vais quand même demander que vous regardiez un peu ce pont, parce que c'est une œuvre qui mérite votre attention. Et c'est ce pont qui risque de tuer finalement Calix Beyal au Cameroun,
juste parce que Mbonga Yolo ne veut pas la voir évoluer. Il a dit qu'il va la réduire à néant. Voici donc le pont de la mort, le pont de Calix Bayala qu'elle a offert aux populations qui en manquent. Vous voyez comment c'est avant. Je suis déjà en train de voir, en train de travaux qui peuvent se réaliser. Bon, regarde, vous voyez cette œuvre. Comment c'est fait avec mon cher Aaron Caron. Là, vous voyez qu'on est un peu filmé ça. Caron et moi-même. Oui, nous sommes dans l'étude de ce projet. Et nous allons vous rendre compte à la fin parce que je prends encore les cotations avant de voir qu'est-ce qu'il y a de fait. Oui, voici l'escalier qui se présente. Voilà le dialogue. C'est un peu avec l'escalier. C'est le moment là. Ça, c'est pas l'argent d'un homme. Hein. Le pont qui est fini. La tente du décoffrage du bas. Si c'est un bon ayolo, ou les membres du gouvernement font donner ça. Si c'était eux. Voilà notre passerelle. Ils allaient facturer ça à des milliards. Les escaliers. Vous voyez? Je vais en tente. Ils sont là seulement pour détruire les petites filles. Voilà l'argent d'une écrivaine. Mon Dieu, où est ton argent de cacao? Là-bas, dans ton village. Tu as vu comment les maisons sont penchées comme ma maison où on est parti monter là? J'ai pour les migrants, tu dois aller pencher les routes. J'ai pour les migrants, tu dois aller pencher les écoles. Mon Dieu, là, il y a pour quoi? Il veut maintenant tuer Calix Bayala. C'est Calix Bayala qui te dit d'être égoïste. Regardez. Les populations souffraient ici. Les gens tombaient dans l'eau. Au lieu que le gouvernement applaudisse, au lieu que Mondayo l'applaudisse, il paye les journalistes pour insulter qu'il est beau. Tu es quoi avec quoi? Celui-ci a été déjà décoffré. On dit qu'il est jeune. Mon Dieu, on dit qu'il est jeune. C'est ce qu'on dit. Ça, c'est le fond de l'escalier. Moi-même, tu dois dire à ces gens-là que c'est quoi? Je suis beau où? Ce n'est pas parce que tu es longo que tu vas dire que tu es beau et que tu es jeune. Calix est à peine la soixantaine. Toi, tu as dépassé 70 ans avec l'âge de Kumba. Allez, c'est bon pour moi. Vraiment. Il y a l'autre feu. Moi, je montre ça. Au fond de l'escalier. Pour d'autres qui veulent faire des œuvres. Et à toutes ces femmes, de vous dire de ne pas attendre tout de ces gens-là qui vont vous tuer, qui vont vous marier, qui arrachent vos chances. Bon, d'ailleurs, quand tu parles avec lui, il te prend toute la chance. Où est Milandé? Où est Nesorandé? Nesorandé n'est pas mort en elle. À cause toujours du marche arrière. Voilà. Tu ne voulais pas qu'on voit ce pont-là. Les Camerounais applaudissaient. Les Sénégalais, les Gabonais, voilà. La tente de la réception. Mm-hmm. Voilà. Vous voyez? Voilà le spécimen du grès. Ceci est le spécimen du grès. Par rapport au blanc. Regardez comment c'est beau. Oui. Ici, ça, quand il y a les inondations, quand il y avait les inondations, et on devait même nettoyer. Calix Bayala, combien d'argent elle a investi ici? Mais les membres du gouvernement, voilà, ils ne comptent que des milliards. Mondayolo, tu as pris des milliards pour donner à Moubelinga pour tuer Martinez Sogo. Attends-moi, vendredi. Attends-moi, samedi. C'est bon. Non mais qu'on ne fait jamais mis en haut. Vous ne pouvez pas prendre des journalistes. Même que vous, journalistes, vous puissiez pas d'être une vieille rombière qui court derrière Mondayolo. Ou juste qui a couru derrière l'autre. Mais vous connaissez que Calix Bayala sortait quand même avec Drucker. Mondayolo est plus beau que Drucker.
Vous êtes plus jeune que Drucker. Modéon est riche. Comme il dit qu'il est milliardaire, c'est l'argent du contribuable camerounais. C'est l'argent qu'il a volé. Il faut apprécier ceux qui, avec une petite chose, parce qu'ils travaillent à la sueur de leur front et non avec les fonds des restes de l'État, parviennent à faire quelques petites œuvres. Prendre des femmes, prendre des garçons, monter avec eux au Mont Fébé. Créer des réseaux de pédocriminalité. Voilà tout ce que vous savez faire. Même dans ton village là-bas, il n'y a pas de pont. On dit qu'il n'y a pas de route. Il n'y a rien du tout. Mais vous êtes en train juste de détourner les petites filles. Juste en train de former les popdas. Juste en train d'organiser les papouses. Mais Lolo, c'est douceuse à la canne. C'est tout ce que tu avais vu au Cameroun. Les influenceuses que tu as invitées avec l'argent du contribuable. Et finalement, Chantal Biya les a chassées. Voilà tes goûts. Mona Yolo est celui-là qui, quand il te donne son argent, il te conditionne derrière quel argent. La dernière fois, qui a tué Lubikutsi? C'est Wanda Yolo. Il a tué deux vraies chanteuses, deux chanteuses de Bikutsi, ici à Paris. Je ne veux pas citer leur nom. Une venait du Cameroun, est très célèbre. Et l'autre vit ici à Paris. Il est ambassadeur, il finit avec tel. Il prend l'autre, il finit. Et pour maintenant couiller les têtes, il leur donne 5 000 euros. Voilà ce que Mona Yolo donne. 5 000 euros. Un chichard comme ça là. Et il dit aux filles, allez faire un album. Allez faire un album. Allez faire un album. Une, après cet argent, a bouffé. L'autre s'est fâché. Voilà comment est-ce que l'Obikutsi, toujours ce monsieur, même ceux qui marchaient chez des bêtises, ne, finalement, il coigne les têtes. Chez lui, il n'y a pas des œuvres comme ça. Calix Veyala n'habite pas là. Elle n'habite plus là. Elle habite ailleurs. Mais elle s'est rappelée d'où elle venait. Et elle devait rendre ça. Mais vous, votre argent ne vous sert qu'à une seule chose. L'instinct bestial. Le recrutement des filles, des garçons, l'homosexualité, la sodomie. Voilà quoi vous sert l'argent. Le plaisir charnel. Et surtout, donner, vendre les âmes de ses enfants à Lucifer pour votre pouvoir. Vous voulez absolument posséder toutes les femmes du monde, les soumettre. Dès que l'une arrive, vous voulez déjà la connaître. Vous voulez déjà la détruire. Vous voulez déjà tenir. Et vous la laissez finalement moisir. Puis, mesdames, et vous, messieurs, ne croyez plus que le bonheur vient de ce plaisir charnel. Ceux qui vous disent que donne le derrière et après je vais te mettre au ciel. Ce septième ciel finit par devenir le septième sous-sol. Mesdames et messieurs, merci de m'avoir écouté. Je vous donne rendez-vous pour les dossiers noirs le samedi soir, 18h. Au revoir.